quand on est sportif de haut niveau, il faut savoir qu'on n'est pas forcément reconnu, encore moins les personnes en situation de handicap. Odyssée Environnement me soutient effectivement depuis pas mal d'années et je les remercie. Le triathlon est assez exigeant au niveau de l'entraînement. Il y a aussi tout ce qui va être exigence matérielle. J'ai une amputation du bras gauche et mon vélo il va être adapté. Il y a aussi les déplacements. Il faut savoir que sur 12 mois, je vais partir 6 à 8 mois entre les stages, les compétitions à l'étranger. Odyssée est très engagée sur la biodiversité, sur l'éthique, le sport, le triathlon et Gladys en particulier répond tout à fait aux ambitions et au travail d'Odyssée Environnement sur la biodiversité. Je me retrouve beaucoup dans les valeurs d'Odyssée Environnement. L'environnement, c'est un partenaire d'entraînement de tous les jours. J'ai la chance de faire un sport d'extérieur. J'essaye, quand je fais des interventions auprès des jeunes, de leur dire qu'il faut protéger l'environnement. Sur les 5 valeurs d'Odyssée Environnement, il y a 2 valeurs qui collent parfaitement avec Gladys, c'est le professionnalisme et la responsabilité. Gladys est une professionnelle de son sport, du triathlon. La responsabilité que Gladys a, que Odyssée a dans le sport, dans notre métier, correspond parfaitement et nous inspire tous les jours. Et agir pour une performance éthique de l'eau, c'est notre mission et c'est quelque chose qui nous guide tous les jours. Agir pour aller changer le monde et proposer nos solutions moins impactantes, comme Gladys agit tous les jours et toute l'année pour son sport. La performance, ben là je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Et l'éthique, je pense que dans un monde un peu complexe, cette éthique est nécessaire pour permettre de faire les choses bien, juste, honnêtement et simplement. C'est important pour nous d'avoir ce partenaire, cette motivation que nous donne Gladys dans son sport, nous aide aussi et nous inspire tous les jours dans notre travail.